couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et pour pas changer les habitudes, je vous propose la revue de presse du mois de juin, la revue de presse couture. C'est parti! Ce mois-ci, j'ai trouvé 6 magazines à vous présenter. Alors, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Il y a des grosses ruptures, en tout cas dans la région parisienne, il y a des grosses ruptures d'approvisionnement en magazines de couture. J'ai par exemple cherché pendant un bon bout de temps le magazine Burda, qui normalement sort tous les mois. Eh ben, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, à la date où je tourne cette vidéo, il est introuvable, et que ce soit là où j'habite, ou même dans Paris. Paris, je suis allé dans plusieurs gares pour faire les points relais, et je n'ai pas trouvé le Burda. Donc voilà, là je vous montre vraiment tout ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, on commence par la Maison Victor. Alors, je dis ce mois-ci, mais en réalité, c'est le numéro du mois de mai et juin 2020. Donc j'aurais dû le présenter le mois dernier, mais je ne l'ai pas trouvé à temps pour le tournage. Donc voilà, étant donné que c'est un magazine qui sort tous les deux mois, vous pouvez encore, pendant tout le mois de juin, trouver la Maison Victor sans aucun souci. La Maison Victor propose 12 patrons pour le printemps, plus un des patrons qui va être adaptable en robe de mariée. La Maison Victor, ça coûte 9,95 €. Pour détailler un petit peu tous les modèles que nous allons trouver dans ce magazine, il y a 8 modèles pour les femmes, qui se décomposent en fait en 2 catégories. Il y a 2 modèles qui sont proposés en taille 30 à 48 et 6 modèles qui sont proposés de la taille 34 à 56. Donc plutôt une très large gamme de tailles, ça c'est très cool parce que ça s'adresse à n'importe quelle morphologie. Il y a également 3 modèles enfants qui sont une petite robe, un short et un pantalon qui sont proposés de la taille 92 à la taille 176, donc ça commence à être bien grand. Et pour le petit short, par contre, c'est vraiment la version bébé pour le coup, puisque ça démarre à la taille 56 et ça va jusqu'à la taille 86, donc à peu près 18 mois, 2 ans, quoi. Donc concernant les modèles, on a un top, des pantalons, des robes, un petit boléro, une jupe. Et à chaque fois, pour chaque modèle, vous allez avoir les explications détaillées de comment le coudre. Vous avez vraiment le tuto pour chaque modèle avec des petits schémas pour ne pas vous tromper. À l'intérieur du magazine, vous allez également trouver des articles sur le wax, sur l'association des couleurs et enfin une rubrique avec les ateliers, un petit peu comme la vidéo que je vous ai sortie il y a 2 semaines de ça, je crois. Et si vous l'avez raté, rebelote, je vous mets le lien ici. Il y a également les patrons d'un sac cabas façon doudoune, un sac en rotin et un coussin de voyage doudou. Alors ça, c'est rigolo, moi c'est un petit tuto que j'avais fait sur le blog il y a à peu près un an. Alors il n'était pas en doudou, mais en tout cas c'était comme ça un petit coussin de voyage. Et d'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous remets le lien juste ici. La planche de patron se trouve au milieu du magazine, ça c'est normal, sauf qu'elle est à l'intérieur d'une espèce de livret. Chaque patron sur chaque planche est d'une couleur différente, ce qui évite de se mélanger les pinceaux lorsqu'on recopie le patron qui nous intéresse. C'est plutôt aéré, c'est plutôt lisible, tout n'est pas imbriqué les uns dans les autres. Évidemment, il y a des pièces qui se superposent, mais ça reste très lisible grâce justement à ce choix de différentes couleurs. Les modèles proposés sont plutôt très bien pour le printemps, en tout cas ce qu'il en reste, et surtout l'été qui arrive. La plupart des modèles sont assez simples à suivre. Vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque modèle, vous avez le niveau de difficulté qui est indiqué de 1 à 4. Et la plupart du temps, c'est plutôt des modèles assez simples ou intermédiaires. Il n'y a qu'un seul modèle compliqué à faire qui va être une petite robe. Tout le reste est accessible. Et encore une fois, vous avez une espèce de tutoriel pas à pas avec des schémas qui est proposé. Et alors, chose à souligner pour ce magazine, c'est le seul de la sélection qui propose un modèle pour homme, en l'occurrence un short. Donc voilà pour la Maison Victor. On passe
à Couture Facile. Couture Facile, moi, c'est un magazine que je ne connaissais pas spécialement, mais c'est déjà le numéro 46, donc je ne sais pas ce que je faisais pendant les 45 autres numéros qui sont sortis, mais en tout cas, je l'ai raté. Ça coûte 12,90€. Pour le coup, il n'y a pas de planche de patron, il n'y a pas de patron du tout. On va tout faire à partir de chutes de tissu. Le magazine propose 26 projets différents. Donc vous allez pouvoir apprendre à faire, par exemple, une petite paire de chaussons, un tablier pour enfants, une pochette pour livres, un sac pour les pinces à linge, un étui à lunettes, et même une housse pour votre machine à coudre. Sauf que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de planche de patron, donc il va falloir tracer directement les patrons sur votre chute de tissu pour faire les modèles proposés. C'est un petit peu le bémol, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets assez rigolos à faire et surtout, vous ne pouvez pas vous ennuyer parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Vous allez forcément trouver votre bonheur dans ce magazine. Sauf que voilà, va falloir vous-même faire le patron directement, soit sur du papier et ensuite découper le tissu, soit directement sur le tissu. Heureusement, ça n'est pas hyper compliqué, c'est-à-dire à chaque fois, ce sont des pièces rectangulaires ou carrées, c'est pas des arrondis et ce genre de forme difficile à reproduire, surtout quand on n'a pas de modèle. Donc c'est plutôt des choses très simples à faire et heureusement. Il y a donc l'interview d'une créatrice textile, une blogueuse. On propose la visite de la mercerie Sajou, qui est une mercerie en fait en plein centre de Paris, qui est dans un style hyper rétro, c'est hyper impressionnant à visiter. Si vous venez à Paris un jour, n'hésitez pas à aller dans le sentier visiter cette mercerie et peut-être faire vos achats. C'est une mercerie qui est ouverte à n'importe qui, c'est vraiment pour le grand public. Et elle a un style rétro, à l'ancienne, hyper sympa. On en parle dans ce magazine. Et également, une petite interview de Zachary, qui est un créatif, en fait, un mec qui fait beaucoup de crochet, et on l'a vu un petit peu à la télé récemment, il fait également de la danse, il fait de la couture, enfin voilà, il touche un petit peu à tout, et voilà. Si vous débutez la couture, si vous n'avez pas forcément envie de faire des vêtements pour le moment, peut-être que ce magazine, peut-être que Couture Facile, c'est celui qu'il vous faut pour le mois de juin, puisque vous allez pouvoir toucher un petit peu à tout et faire notamment des accessoires pour chez vous, des accessoires pour vos enfants, des petits trucs comme ça, avec vos chutes de tissu. On passe à Couture Actuelle spéciale. Couture Actuelle, ça coûte 6,95€. Là, c'est le spécial été. Et bon, ils nous font le coup tous les mois. Ils mettent en énorme le chiffre 120 qui donne l'impression qu'il va y avoir 120 modèles à l'intérieur. En fait, il n'y a que 40 modèles différents, ce qui est déjà un bon chiffre, surtout pour ce tarif-là, déclinés en 3 tailles à chaque fois. D'ailleurs, les modèles. Donc, 40 modèles qui vont se répartir en 34 modèles pour femmes et 6 modèles pour les enfants. Je commence par les enfants, c'est le plus simple. C'est 2 ans, 4 ans et 6 ans. Et pour les femmes, c'est un peu plus le bazar. Il y a 6 modèles en taille 38, 42, 46. 22 modèles en taille 40, 44, 48. Et 6 modèles en taille 50, 54, 58. Donc pour le coup, vous allez forcément trouver votre bonheur à l'intérieur de ce magazine. Il y aura normalement quelque chose qui vous ira. Concernant les modèles, on est sur des tenues très fluides pour l'été. Il y a des tuniques, des robes, des pantalons, des shorts, il y a une jupe, des vestes et manteaux. Quand je dis vestes et manteaux, c'est des petites vestes d'été évidemment et des manteaux pour sortir le soir. Si jamais un jour les restos rouvrent, vous pourrez aller dîner le soir sans risquer d'attraper un rhume, parce que attraper un rhume en été, c'est quand même un peu dommage. Il y a 4 planches de patron au centre du magazine. Et comme tout à l'heure, pour la Maison Victor, vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui sont utilisées en fonction des modèles. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu plus enchevêtré que pour la Maison Victor, pour le coup. C'est pas forcément aussi clair. Les modèles sont beaucoup plus imbriqués les uns dans les autres. Mais bon, voilà, il y a plus de modèles aussi qui sont proposés. C'est sans doute pour ça. Dans Couture Actuelle, il n'y a pas forcément de schéma pour vous expliquer étape par étape comment coudre le modèle que vous avez choisi. Les explications sont uniquement par écrit. Il y a juste le plan de découpe qui est indiqué. Et pour tout le reste, malheureusement, il va falloir lire les explications et vous débrouiller avec ça.
Donc voilà pour Couture Actuelle Special. Maintenant, Tendance Couture Spéciale. Rien, tout est spécial en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Le mois de juin, c'est un mois spécial. Tendance Couture Spéciale, ça coûte 6,95€. Et le magazine propose des patrons de la taille 36 à 56. Et en fait, ça, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est jamais de la taille 36 à la taille 56. C'est plutôt petite taille et ensuite grande taille qui sont dans différents modèles, qui sont pour différents modèles et jamais ensemble. À l'intérieur du magazine, il y a 61 modèles différents. Là, encore une fois, on est dans une thématique été. Hein. Je pense que tous les magazines se sont quand même rendu compte que la canicule arrivait et qu'il allait falloir coûte des choses plutôt légères, plutôt fluides. Ça, c'est nickel. Il y a donc des jupes, des pantalons et un pantalon carotte qui est plutôt intéressant, des chemisiers, des robes et un petit blazer. Et également, le magazine propose un sac un peu décontracté avec des anses en bois, une pochette de soirée et un sac seau. Mais petit souci, on n'a pas vraiment d'indication de la difficulté pour chaque modèle. Au centre du magazine, il y a la planche de patron. Et alors là, attention, il y a quatre planches de patron, mais elles sont imprimées en rouge et noir. Jeanne Masse, si tu nous regardes. Franchement, c'est compliqué là. Le magazine abuse un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a 61 modèles. On est d'accord, ça fait beaucoup. Mais la planche de patron est quand même très difficile à lire et à piger. Je ne sais pas comment on fait pour retrouver un modèle là-dedans sans s'arracher les cheveux. Je ne sais pas comment on fait pour recopier le patron qui nous intéresse sans se tromper, sans y passer 2h30. C'est l'enfer, tout simplement. Par contre, il n'y a pas que des points négatifs hein, quand même. Pour chaque modèle, il y a une explication avec des petits schémas étape par étape. Donc ça, c'est plutôt hyper cool pour ne pas se paumer et pour ne pas avoir des explications uniquement en texte. Et donc, vous voyez, l'astuce en fait de ce magazine, c'est qu'il va y avoir un modèle un peu de base qui va être décliné. Et vous allez pouvoir choisir de faire la version avec les manches longues, la version sans manches et la version avec les manches courtes, par exemple. Et c'est comme ça qu'on arrive au final à 61 modèles différents. Donc, il n'y a pas 61 types de vêtements différents. Ça va être plusieurs mêmes modèles déclinés avec des petites différences. Une poche en plus, les manches longues, les manches courtes, une longueur différente, une largeur un peu plus ample. Voilà. Vous allez forcément trouver votre bonheur, mais bon, après, il va falloir quand même réussir à décalquer le patron. Et ça, c'est une autre histoire. Allez, on passe à un magazine que je ne connaissais pas encore, que je n'ai jamais acheté. C'est vraiment la première fois. Ça s'appelle Diana Couture. Pourtant, c'est le numéro 107. Ça coûte toujours 6,95€. Je pense que c'est toujours le même éditeur, hein, pour le coup. Qui fait ça, mais bon, les modèles sont plutôt cool dans ce magazine, donc on en parle. Vous voyez que dès l'introduction, on nous parle de sources d'inspiration pour les couturières. Bon, bah je crois que je ne vais pas être très inspiré sur ce coup-là. Les tailles vont de 40 à 50, et pour chaque modèle, il va y avoir soit 3 tailles différentes, soit 6, donc soit la taille 40-42, 44-46 ou 48-50, ou alors la taille 40-42, 44-46, 48 et 50. Ça dépend des modèles. À l'intérieur du magazine, on va retrouver des tuniques, des robes, une veste, une combi, un pantalon, un pantacourt et des jupes. Encore une fois, on est sur une thématique été. Pour chaque modèle, il ne va pas y avoir d'explication pas à pas avec des schémas ou des photos. Ça va être uniquement du texte. Et au centre du magazine, on trouve le même genre de planche de patron que pour Tendance Couture Spéciale, à savoir des patrons en deux couleurs, soit noir, soit rouge. Mais, alors, petit point positif, c'est beaucoup plus clair que pour Tendance Couture Spéciale pour le coup. Les modèles sont bien moins imbriqués. Et carte routière. Enfin, c'est le jour où les cartes routières sont comme ça, vraiment, on est mal. Voilà, c'est beaucoup moins imbriqué, en tout cas. Et beaucoup plus lisible et facile à repérer et à décalquer. On est uniquement sur des modèles féminins, pas de modèles ni hommes ni enfants, malheureusement.
Et puis voilà. Dernier magazine que je vous propose de cette sélection, il s'agit de Idées à faire. C'est le numéro 27. Ça coûte 5,90€. Et c'est le magazine du mois de mai et juin, donc vous allez normalement pouvoir le trouver pendant encore un mois. À l'intérieur, plein de petites idées d'activités. Ça va du collier de perles à la pâte Fimo, au crochet, les fleurs en papier. Il y a quelques recettes de pâtisserie et également une recette pour faire son propre shampoing solide. Et au milieu de tout ça, vous avez évidemment de la couture, sinon je ne vous en parlerai pas. Avec une mallette à ouvrage, un petit sac à dos pour enfants, un nœud papillon, un béret et une blouse sur une base de t-shirt. À chaque fois, les patrons sont à télécharger avec un smartphone. En fait, il faut scanner un petit code pour pouvoir télécharger le patron. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage parce que si vous n'avez pas de smartphone, bah, je ne sais pas comment vous faites, à vrai dire. Toutes les explications sont en texte et également avec des petites photos pas à pas. On rejoint un petit peu le magazine que je vous ai présenté au départ, Couture Facile. À part le chapeau et la petite tunique, ce sont que des objets de décoration ou des objets qui vont vous faciliter la vie. Et également dans le magazine, il y a quelques articles qui tournent un petit peu ce mois-ci autour du thème du mariage, avec une sélection de gâteaux de mariage et également une sélection de tenues pour marier hommes et femmes pour le coup. Donc voilà, un magazine plutôt sympathique à bouquiner si vous voulez vous sortir un petit peu le nez de la couture. En l'occurrence, il y a de la couture, mais il y a également d'autres choses. Donc si vous êtes un peu touche-à-tout, ça peut être intéressant pour vous. Par ailleurs, je vous remontre deux magazines que je vous ai présentés le mois dernier, ou peut-être même le mois d'avant, et qui sont toujours trouvables en kiosque et qui en valent la peine. Il s'agit, hop là, de Fibre Mood et de Passion Couture Créative. Je vous mets rebelote les petits liens ici et en dessous pour aller voir les vidéos que j'ai tournées. Comme ça, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces magazines. Moi, je vous dis quoi? Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bonne couture. Bye bye.